beauté, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing beauté privée. J'ai fait une commande de la marque Référence, donc c'est la marque que prône Enjoy Phoenix pour éliminer les traces un peu d'acné. Donc j'ai pris le pack à entre, je crois que c'est 76 € que je l'ai payé au lieu de plus de 110 € je crois. Donc ouais, il y avait une sacrée économie. Donc je me suis lancée, je vais tester. Sachez quand même que je vais pas tester tout de suite, donc je vous verrai. C'est juste que là, vu que j'en ai profité pour avoir moins cher en fait. Là je viens de terminer mon Q10 nuit de L'Oréal, que j'ai adoré d'ailleurs. Je pense qu'il sera dans les favoris celui-ci. Donc je vais prendre une nouvelle crème de nuit que je pourrais tester quoi. Mais on va dire que la routine complète, je la mettrai pas en route tout de suite. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, soit dans des tops, soit dans des flops, on trouvera toujours le moyen. Donc je vais ouvrir tout de suite, hein. On va pas continuer à blablater plus longtemps. J'ai pris l'arme de torture. J'espère que je vais pas me faire mal, c'est juste ça quoi, parce que torture, oui. Excusez-moi pour le bruit, car vous savez que je n'aime pas. Mais bon, je voulais pas l'ouvrir avant et puis... Voilà, parce qu'il n'y en a qu'une prise quand on fait un unboxing. On est obligé de le finir sans avoir coupé au montage. Donc voilà comment ça se présente. Là, toujours le bon de livraison sur lequel il n'y a pas écrit les tarifs. Donc à l'intérieur, il y a 6 produits. Voilà, donc 6 produits, tous de la marque Référence. Donc là, j'ouvre, il y a toujours un papier en cartonné qui protège. Donc bah écoutez, on commence tout de suite. Donc on passe à la crème voile de nuit. Donc ça, simplement, c'est pour la nuit, hein, tout simplement. Donc tout ce que je vais vous montrer, marque Référence, c'est pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc c'est plutôt, plutôt mon type de peau. Après je ne sais pas si ça conviendrait à tous les types de peau. Donc si vous appartenez à une autre catégorie, je vous en prie, ne vous infligez pas ça. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Donc là c'est à la lavande, huile d'amande douce, vitamine E, acide lactique. Et j'en passe, hein, parce qu'on va pas faire toute la ligne. Par contre la seule chose que je voulais voir, c'est s'il n'y avait pas trop de cochonneries à l'intérieur. Parce que vous savez que je fais un petit peu plus attention maintenant. Il y a des produits sur lesquels... je focalise et qui au final quand je regarde la référence après les avoir achetés sont pas corrects quoi. Donc là il n'y a rien de, je pense, j'ai pas vu quelque chose qui soit dommageable. Donc voilà, ça donc c'est pour le visage nuit. L'application doit être régulière de ce sérum et contribue à améliorer l'aspect de la peau. Voilà. Utilisation matin et soir, appliquée sur les zones concernées en évitant le contour des yeux. Je passe au sérum réparateur, donc visage aussi. Donc extrait de calendula, concombre, algues, citron bio, vitamine E. Et la vitamine E, c'est un très bon reconstituant épidermique. Donc en fait, je pense que la vitamine E est très efficace. Parce que quand j'ai eu mon problème d'allaitement, j'ai eu le mamelon complètement destroy. Et j'ai utilisé de la vitamine E pure pour le reconstituer. Et c'est vrai que ça fonctionne. Hein, donc voilà quoi. Préconise le soir après avoir nettoyé la peau, appliquer la crème sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. C'est quoi ça? Un peeling gommant désincrustant. Donc à l'argile rouge, argile blanche, noyau de litchi et poudre de quartz. Donc voilà, ça c'est un nettoyant peeling quoi, on va dire. Donc j'essaierai de vous faire, quand j'aurai décidé de les entamer, une routine complète en vous montrant comment je les ai utilisés, on va dire. Parce que la routine est complète, donc là pour le coup c'est plutôt sympa. Il prévoit d'appliquer en couche très fine en évitant le contour des yeux, laisser poser 5 minutes, gommer jusqu'à complète élimination du produit et rincer à l'eau. J'ai le gel pureté douceur nettoyant moussant visage, extrait de sauge, thym, calendula, bardane, zinc et feuilles d'aloe. Alors par contre, alors méthylchloroisothiazolinone. Méthylisothiazolinone. Alors celui-ci déjà je déconseille parce que il y a des allergènes à l'intérieur, donc déjà je suis dégoûtée quoi. Mais il n'y avait pas les fiches techniques, hein, donc j'ai pas pu... Celui-là, gel pureté, déjà je sais que je rachèterai pas, ça c'est sûr. Après pour l'autre, pour le gommage, bon il n'y a pas de... Mais déjà le gel pureté c'est pas possible, enfin c'est tout, c'est pas grave, hein. Je ne pouvais pas savoir. Hein. Nettoyant, bien sûr. Faire mousser le gel sur le visage et rincer abondamment. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Et une crème de jour, donc peau grasse équilibrante. Donc,
En théorie, il n'y a pas bien dedans. Le méthylisothiazolinone, c'est ce que je regarde en priorité parce que c'est vraiment un allergène. Donc, du coup, voilà, c'est la crème de jour. Hein. C'est une crème matifiante, parce que voilà quoi. Appliquée sur le visage en évitant le contour des yeux. Mais bon, c'est une crème de jour, donc ils préconisent pas trop. C'est dommage qu'ils mettent pas en fait l'utilité d'avoir la routine derrière. Ce serait sympa. Et pour finir, nous avons dans le petit, dans la petite routine, un masque peeling régénérant. Donc le premier, c'était un peeling gommant désincrustant, et celui-ci, c'est le masque peeling régénérant, avec à peu près les mêmes composés que le précédent, et visiblement, il n'a pas l'air de contenir non plus trop de choses allergènes. Donc il préconise, laissez poser 10 minutes, rincez à l'eau et sécher, éviter le contour des yeux, etc. Donc voilà, ce pack m'a coûté, je vous dis, entre 70 et 78 euros, quelque chose comme ça, au lieu de plus de 100 euros. Donc vu que ça avait quand même fonctionné sur Enjoy Phoenix, je me suis dit que pourquoi pas moi, quoi. Même si je sais, et ma dermatome l'a bien fait comprendre, que même avec du laser, mes problèmes de peau ne pourraient dans tous les cas pas être atténués, il me faudrait plus de 5 séances, et la séance à 120 euros, ça va peut-être aller, quoi, je vais te dire. Donc après, je sais pas si en chirurgie plastique, il y a possibilité d'atténuer cet aspect des trous de l'acné. Mais donc voilà quoi. Si vous avez, les filles, des commentaires à me laisser là-dessus, sur les trous que provoque l'acné, mais vraiment les trous, hein. Je parle pas des rougeurs, je parle pas de l'aspect peau d'orange, je parle pas de tout ça. Mais vraiment les trous. Parce que moi j'ai des trous dus à l'acné. Hein. C'est comme les rides quoi, je veux dire. Je sais pas si avec du botox ça pourrait s'atténuer aussi, enfin j'en sais rien. Mais du coup voilà, si vous avez des petites astuces comme ça, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, la vidéo de toute façon touche à sa fin, puisque nous avons fait le tour de ce que j'avais dans le colis. J'essaierai quand même, dès que j'aurai décidé d'entamer les produits, de vous faire une routine complète pour vous dire à peu près dans quel ordre on utilise ces produits-là. Pour qu'à la prochaine vente privée, s'il y en a une, vous puissiez choisir en âme et conscience en fonction du pack que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, aller voir mes anciennes parce qu'on a quand même beaucoup déliré avec Sonia pour les tops et flops. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram puisque dans ma vie de tous les jours, je vous poste quelquefois des petites photos puisque je suis comme vous, hein, ne pensez pas que je suis mieux, etc. Non, je suis comme vous. Donc j'ai une vie, j'aime bien la partager avec vous. Là, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!